Sous la constellation du Sagittaire, qu'est-ce que tu manifestes L'armée du bâton inversé La reine du bâton Le magicien inversé Tu veux vivre la fin d'une oppression au cœur de ton quotidien en lien à une expérience créative, amoureuse, sensuelle, sexuelle ou parentale de projet comme d'enfant. Ça te réclame de faire preuve d'autorité et de souveraineté vis-à-vis -vis de ton énergie, vis-à-vis -vis de tes investissements créatifs, sensuels, sexuels, amoureux possiblement également, euh, sur une scène en lien à tes communications et à la destination que tu donnes, à tes communications, à ton attention, à tes observations, à tes analyses et à ta mobilité, ainsi qu'à ton sens de l'inclusion. Ça te réclame en fait de revoir quelles sont les allégeances, quelles sont les loyautés, quelles sont les relations dans lesquelles tu gagnes à continuer de t'investir, de celles depuis lesquelles tu n'as rien fructifié ou si peu de ce que tu souhaitais manifester comme expérience de la réalité sur le plan familial, conjugal, parental et territorial, en lien à l'occupation du territoire, du lieu de vie, du foyer que tu souhaites véritablement te réserver. Ça t'amène à gérer une expérience, apparemment, celle du magicien, inversée depuis le gémeaux en maison 2 projeté en sagittaire en maison 8. Tu pourrais m'avoir dit The Cosmic Joker, il n'y a rien qui avance dans ma vie comme je voudrais, et ça pourrait complètement changer. Tu pourrais finir par me dire The Cosmic Joker, j'incarne la reine du bâton. Que je sois un homme ou une femme, et je m'en retrouve complètement propulsée. Propulsée. La destination que tu donnes à tes communications, à ta mobilité à partir de là, est censée fructifier une expérience physique, relationnelle, matérielle et financière avantageuse pour toi, te permettant de nourrir le fait de te tourner vers un nouvel horizon qui lui-même est une complète et parfaite acceptation d'une transformation que tu as souhaitée, mais ça n'était pas suffisant de la souhaiter. Encore fallait-il agir de manière cohérente et alignée en ce sens. Et c'est exactement ce que je te vois manifester. La personne importante dans ta manifestation, c'est la reine du bâton. C'est quelqu'un qui vit déjà depuis cet état de souveraineté apparemment et euh, qui souhaite d'une manière ou d'une autre se proposer des communications ou une relation longue distance avec toi. Et qui se présente à toi possiblement de manière euh, sans défense, en fait. Depuis la constellation de la Vierge en maison 6, projetée en poisson en maison 12, c'est quelqu'un qui n'oppose aucune restriction, aucune contrainte, aucune limitation à ce qu'elle euh, qu souhaite voir se développer ou ce qu'il souhaite voir se développer se développe. Est-ce vis-à-vis de toi ou est-ce vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même Je ne suis pas certaine. C'est vraiment quelqu'un qui a pour intention de vivre un développement serein, familial, conjugal, parental et territorial, et qui destine ses communications en ce sens avec le magicien inversé. C'est quelqu'un qui est très aligné à ce qu'il ou elle souhaite manifester. Et c'est une personne qui vit la concrétisation de la fin d'une oppression, en lien à une précarité psychologique et émotionnelle, qui renforce cette personne dans un état de solitude, d'isolement et d'aisonnement, qui lui permet soit de t'arriver, soit de s'éloigner. Si tu as affaire au Sagittaire, peu importe ton signe du zodiaque et que tu t'interroges vis-à-vis de votre relation, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de communiquer avec toi. Euh, ça n'a rien à voir avec toi. C'est plutôt une personne qui décide de se communiquer et de choisir ses communications et sa mobilité pour favoriser un état d'aisance, un état euh, sans défense, en, en fait. Un état de vulnérabilité naturelle et écologique pour lui ou pour elle. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se proposer des relations où l'anxiété, le stress ou la contradiction euh, toxique pourrait avoir lieu. C'est de cette façon que cette personne décide de se développer naturellement, sereinement. Et d'être souverain d'une manifestation d'abondance que cette personne ne fait pas que se souhaiter, elle est en train complètement de s'aligner à ça. Il est tout à fait possible que suite à cet alignement, peut-être un peu plus maîtrisé, ce soit quelqu'un qui revienne vers toi avec la reine du bâton pour pouvoir communiquer sur des thématiques liées à la famille, à la conjugalité, à la parentalité et au territoire, possiblement. Ok Ton conseil sous la constellation du Sagittaire fait preuve de sagesse. Tes expériences sont censées t'avoir appris. Et sinon, euh, va voir quelqu'un qui puisse te conseiller de manière sage, mais fais bien attention d'écouter la sagesse. Ouais. La reine du bâton, dont on va parler en extension, cette personne qui. Qui est important dans ta manifestation, à qui tu pourrais avoir affaire, c'est quelqu'un qui se replie sur lui-même ou sur elle-même, qui décide d'arrêter quelque chose, de s'éveiller à autre chose et de rejeter ce qui ne lui convient pas, en fait. Mais c'est quelqu'un qui agit de manière assez nébuleuse, avec l'hexagramme 60 de la Lune. Euh, en verso, en maison 10. C'est quelqu'un que tu pourrais soutenir sur le plan professionnel, vocationnel et contributif, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Mais c'est quelqu'un qui pourrait agir de manière nébuleuse et se replier complètement, parce que cette personne pourrait vivre un renouveau majeur avec le transit de Pluton rétrograde euh, que, euh, que cette personne projette, en fait, sur toi dans sa façon de le vivre. Tu vois l'idée Donc... Euh... Ne prends rien contre toi dans cette histoire. Hein. C'est vraiment le conseil que moi, je pourrais te, me permettre de te donner. Euh, C'est cette personne en face d'elle-même et toi, qui as-tu en face de toi-même, en fait C'est un peu ça l'idée. Euh on va continuer en extension. on va voir l'intention, l'état émotionnel, le comportement et la manifestation de cette personne à ton égard comme à tes côtés. comment cette personne contribue à ce que tu puisses manifester le magicien inversé pour toi cet essor presque fulgurant qui se joue dans le ciel et qui est disponible à ce que tu puisses l'investir complètement. Euh, peut-être en te disciplinant complètement dans ton pouvoir d'assignation, de réassignation continuelle de ton énergie, de ton attention et de tout ce qui va avec assez naturellement. Euh, on la fera également parler à la fin de notre extension. Mais si tu t'arrêtes là, je te la fais parler, que tu puisses repartir avec un maximum d'informations. Pour ceux qui continuent avec moi, ça se passe sur www.thecosmicjoker.fr. Ouais, cette personne te dit qu'elle n'a jamais ressenti une passion aussi intense. On va voir avec qui. Et on va voir vis-à-vis -vis de quoi. OK. Ça se passe sur www.thecosmicjoker.fr. Si tu t'arrêtes là, je te dis à plus tard pour d'autres manifestations comme celle-ci. Avec joie et avec beaucoup de plaisir. Euh, Partagé, je l'espère. Et quoi qu'il arrive, je t'embrasse très fort et que Dieu te bénisse. C'était The Cosmic Joker.